L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, UCO, UBA, a célébré sa semaine culturelle du 7 au 9 juin 2023 à Samaya. Cette activité n'était pas que folklorique, elle était aussi l'occasion de faire la remise des diplômes de sortie des étudiants en licence et en master. Qui dit semaine culturelle à l'UCO, dit exposition, présentation artistique et échange culturel. Une grande semaine pendant laquelle nous apprenons beaucoup d'autres choses, mais de façon détendue. La semaine culturelle, ce n'est pas seulement des amusements, des danses, mais nous apprenons par exemple l'histoire des peuples qui composent notre université. Je pense que le but de cette semaine culturelle, c'était de montrer l'intégration entre les étudiants et montrer que dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, n'importe où, on est frères et sœurs, il n'y a pas de barrière entre nous. On a commencé la répétition un mois en avant, avant la semaine culturelle, parce qu'on était bloqués avec nos examens et nos devoirs à faire. Donc après tout ça, on a mis toute cette chorégraphie et toute cette présentation en marche la semaine dernière, juste la semaine dernière, malgré notre nombre. On a pu faire quelque chose quand même. Ainsi, les étudiants ont profité de l'occasion pour faire des défilés, des danses et des chants culturels et pour joindre l'utile à l'agréable. 171 étudiants en licence et en master ont reçu leur diplôme de fin d'études. Nous avons fait notre travail qui est de transmettre des savoirs. Ce savoir transmis et a été validé et c'est ce qui donne ce diplôme. Et ils ont des connaissances en journalisme, ça veut dire en presse, en radio, en télévision, en multimédia et même en télé. Quant au domaine de la communication, ils sont capables de faire des community managers. Ils peuvent être chargés de communication en rédigeant une bonne stratégie de communication. Mais ils peuvent aussi traiter avec des agences comme l'événementiel. Je suis vraiment contente. Après 3 années de travail, de dur labeur à l'UCAO, et enfin nous avons notre diplôme. Je suis vraiment émue, je suis contente. Je salue vraiment les professeurs qui nous ont encouragés jusqu'à arriver là. Et puis les parents aussi qui nous ont soutenus grâce à leur aide financière. Je vois que le travail bien fait est toujours récompensé, que tôt ou tard. Et plus heureux encore de pouvoir apporter ma pierre d'édifice non seulement à l'UCAO, mais à toute la nation malienne. Est un groupe ethnique réputé. Des débats académiques, concours culinaires, prestations artistiques, visites des stands, remises de diplômes. La semaine culturelle de l'UCAO UBA a été un événement riche sur tous les plans. We'll be right back.